Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il ne s'agit pas d'une ouverture de cartes Pokémon comme il y en a eu plein ces derniers temps. J'ai un peu délaissé Disney pour tout vous avouer, mais ça revient, c'est de retour. Aujourd'hui nous allons faire un haul, enfin je vais faire, hein, vous allez regarder la vidéo, un haul Disney. Ça fait hyper longtemps que j'accumule les choses, que je mets de côté chez moi pour vous faire cette vidéo. Et c'est-à-dire qu'il y avait une montagne de choses chez moi qui attendaient d'être montrées en vidéo pour que voilà, vous puissiez découvrir les derniers items que j'ai achetés. Et là c'est un haul spécialisé, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses de côté que je peux carrément faire une vidéo sur chaque marque limite. Et aujourd'hui du coup c'est un haul spécial Funko que je vais vous faire. Donc Funko, ils détiennent beaucoup de choses en fait, on se rend pas forcément compte. On connaît les Funko Pop hein, qui sont comme ceci hein, que voilà, vous connaissez certainement, mais c'est aussi eux qui détiennent la marque Loungefly, qui est une marque de sacs que j'affectionne tout particulièrement. Il y a énormément de fans Disney qui font des collections de sacs Loungefly car ils en sortent tout le temps. Tout le temps il y a des nouveaux Loungefly chaque mois et ils sont hyper canons, hyper quali. Bon, même si à force que je les porte, ils commencent vraiment à s'abîmer tous, mais franchement, ils sont vraiment beaux et ça fait vraiment sac Disney pour adultes. Je n'en dis pas plus, je vais vous présenter mes nouveaux Loungefly que j'ai eus ces derniers mois et mes nouvelles Funko Pop. Voilà, c'est le thème de la vidéo, c'est Funko. Je ne suis pas payée par Funko hein, pour faire cette vidéo, c'est juste que bah, j'adore les Funko Pop et j'adore les Loungefly. Voilà, et je pense que vous aussi, si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc du coup, c'est parti. Bon, ça part, ça commence et on va commencer tout de suite par un trio de Funko Pop que j'ai reçu d'ailleurs de la part de Popinobox. Alors merci beaucoup à eux, ils m'ont envoyé Popinobox UK en plus, donc même pas des Français. Mais voilà, ils m'ont demandé est-ce que tu veux recevoir des Funko Pop? J'ai fait bah écoute, why not? Donc voilà, du coup ils m'ont envoyé plusieurs Funko, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site pour acheter des Funko. Alors à l'époque où moi j'ai choisi les Funko, ça fait un petit moment maintenant, celles-ci étaient disponibles, je sais pas si elles sont encore disponibles, mais du coup pour commencer, il y a ces deux-là qui sont vraiment hyper cool. C'est les Funko Pop du Lapin Blanc et de Madame Mime. Alors c'est pas du tout la même collection, clairement, vu que là on est clairement sur Merlin l'Enchanteur et là on est sur Alice au Pays des Merveilles. Mais je sais pas, le Lapin Blanc, je le trouve trop mignon. Moi je suis très fan de Funko d'animaux. Les Funko d'humains, c'est pas trop mon truc. Le peu que j'ai, c'est des princesses et encore, c'est pas mon modèle. Mais en tout cas, celle du Lapin Blanc est très jolie, je vais déboxer ça pour vous montrer. Regardez-moi cette beauté, tous les détails et tout, j'adore. Là, on voit l'horloge du Lapin Blanc, elle est vraiment canon. Moi, j'ai toujours été très fan de ce personnage. On a le derrière de la chaîne et tout. Franchement, elle est vraiment très belle. Et en plus, moi, j'ai un livre Pierre Lambert d'Alice au Pays des Merveilles dans ma bibliothèque. Et j'aime bien, en fait, avoir un livre et avoir une Funko qui va avec. Donc, du coup, ça tombe hyper bien. J'ai pas de livre Merlin Enchanteur, par contre. Mais ça, c'était une pop limitée d'édition de la Funko Wonderous Convention 2021. Hein, pour vous dire, là, je suis un peu légèrement en retard. Après, je crois que j'ai vraiment reçu en 2022. Hein. C'est juste qu'elle était encore disponible, à mon avis. Mais elle est vraiment trop originale. Je vous déboxe ça. Regardez comme elle est hyper canon. Donc j'espère que vous avez la ref du moment dans Merlin l'Enchanteur où Madame Mime est en mode bah, cochon, pig. elle fait un peu flipper, j'avoue, elle fait un peu flipper. Mais comme c'était une Funko limitée d'édition, moi j'adore hein, les limitées d'édition. De toute façon, les collectionneurs en général raffolent de ce genre de pop. Et c'est vrai qu'elle est hyper originale. J'adore les Funko qui rappellent un moment en particulier du film et qui n'est pas juste le personnage voilà, de manière la plus basique, comme en soi le Lapin Blanc que je vous ai montré avant. Mais c'est vrai que voilà, j'adore. Pourtant, je suis pas fan de Merlin Enchanteur, mais je la trouvais trop originale, il me la fallait absolument. Et la troisième et dernière pop que Pop in a Box m'a envoyée. Alors, je leur en ai demandé d'autres, je crois qu'ils doivent me les envoyer, donc je vous montrerai ça dans un autre haul. Mais pour le moment, c'est les trois que j'ai reçues. En fait, les autres que je leur ai demandé, elles sont pas encore en stock ou elles viennent d'arriver. Il y a un petit bout de scotch dessus, ça me trigger un peu. Je pense qu'ils font ça peut-être pour les duopacks. En tout cas, j'ai commandé Tweedledee et Tweedledum. Comme ça, en fait, j'ai commandé plusieurs pop d'Alice. Hein. Il y en a une autre de Cheshire Cat que j'ai commandé aussi. Mais voilà, du coup, je voulais avoir un petit peu toutes les pop d'Alice. Je sais pas pourquoi. C'est fou parce que ni Merlin l'Enchanteur ni Alice au Pays des Merveilles, je suis fan. Mais je trouve que les personnages sont hyper stylés en fait.
Regardez comme ils sont trop beaux. Limite, eux deux, j'ai envie de les laisser dans leur duopack parce que j'aime beaucoup le fond. Vous savez, les duopacks, à chaque fois, ils font des jolis fonds, vous voyez, là, avec les fleurs et tout. Ça rend hyper bien. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais pas les sortir. Je vais les laisser comme ça. Je trouve que ça sera beaucoup plus joli. Et il y a toute la collection derrière qui est vraiment hyper sympa. Et du coup, bah moi, j'ai le lapin blanc de la même collection. Le but étant d'avoir peut-être au moins chez Cheshire Cat, qui est très stylé. Après, la reine de cœur, Alice et tout. Ça, je m'en fous un peu, hein. Comme je vous ai dit, les humains, c'est pas trop mon truc. Vous allez me dire, Tweedledee, Tweedledum, c'est des humains, mais en vrai, non. Ils sont trop chelous pour, pour avoir. Bon, peut-être que je vais dire des bêtises et que vous allez m'en vouloir, mais en tout cas, moi, je les catégorise pas dans les humains, quoi, les vrais. Ensuite, les gars, là, ça rigole plus du tout. Bon, attendez, il y a des poils de chat dessus, mais ça rigole plus du tout. Voyez ça? J'ai reçu un colis. De la part de. Oula, j'ai tout fait bouger. J'ai reçu un colis de la part de Loungefly, les gars. C'était mon rêve, je crois. C'était mon rêve. On m'a envoyé un message, on m'a dit: Salut Elodie, est-ce que tu veux recevoir des sacs Loungefly? J'ai fait: Bah oui, bien sûr, je suis chaud, je suis là. Donc voilà, encore une fois, je suis pas rémunérée, hein, mais c'est vrai que bah du coup, il y avait des choses qu'on m'avait envoyées gratuitement que j'ai jamais montrées. Il y a des choses que j'ai payées aussi, hein. Il y a des choses que j'ai payées très cher que je vais vous montrer après. Dont une surprise à la fin, un petit unboxing très sympathique et très original. Mais voilà, pour le moment, on va unboxer cette chose. Ah, bah je viens de vous spoil l'unboxing original, bon, c'est pas grave. Il y a cette chose du coup qui m'a été envoyée par Loungefly. Je l'ouvre avec vous, même si je l'ai déjà ouvert hein, pour revoir. Alors, je ne savais pas ce que j'allais recevoir, hein. C'est vraiment. J'ai adoré découvrir les sacs. Oula, je vais tout péter. Du coup, regardez, à l'intérieur, il y a trois sacs. Oh là là, vous pouvez déjà voir un petit peu les différents sacs. Attendez, je pose ça, j'arrive. Ok, c'est bon. Alors, du coup, le premier sac, les amis, incroyable. Il s'agit d'un petit sac beaucoup trop Mims de Porcinet. Alors, au niveau des sacs, juste pour vous dire un peu, un sac comme ça coûte environ 80 €, quelque chose comme ça. 80, 100 €, un peu moins parfois, on en trouve à 60, 70, et ils sont vraiment hyper, hyper beaux. Je trouve que, je sais pas, j'adore la qualité comme ça. Je trouve que le fait qu'ils soient rigides, je trouve ça hyper beau. Donc, à chaque fois, il y a écrit Disney et Loungefly pour la gage bah, de la marque, et t'as toujours des petits détails derrière. Donc là, Let's the Aventure Begin, magnifique avec Porcinet et Winnie. Et puis après, bah, t'as toujours une poche quasiment devant. Hop, et avec des petits détails. Alors là, j'adore, il y a des petits détails trop mimes. Je vais enlever cette chose horrible. Regardez l'intérieur de la poche. Attendez que je réfléchisse. Voilà. À l'intérieur de la poche, on a même des petits détails. Donc là, on voit bourriquet et tout. Trop mignon, tigrou et tout ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et c'est la même chose à l'intérieur. On a aussi, voilà, l'intérieur jaune. Hein, c'est la même chose. Puis vous voyez, même au niveau des petites fermetures, là, on a. Une petite marguerite pour le rappel de la marguerite de Porcinou. Très mignon, j'adore. Très, très, très fan de ce très beau sac Loungefly. Voilà, je l'adore. Donc ça, c'était pour le premier qu'ils m'ont envoyé. J'aime beaucoup, je l'avais pas. En fait, j'avais peur qu'ils m'envoient des trucs que j'ai déjà. Mais non, ils ont juré, ils m'ont envoyé que des trucs que j'avais pas. Le deuxième, qui sera incroyable pour Halloween, c'est celui de Minnie. Trop, trop beau, là aussi, j'adore. La qualité est ouf. Donc, du coup, il se présente comme ceci. Très canon, j'adore, avec le petit nœud de Minnie version Halloween en orange et noir, le Disney Loungefly qui est ici cette fois-ci, et toujours les petits détails, donc avec le derrière où il y a écrit Boo. C'est vraiment sac cuir, hein. Bien entendu c'est du faux cuir, mais je sais pas, je trouve que ça, ils sont très forts pour rendre le truc beau gosse comme ça. Et il y a une poche qui est cachée, vous voyez, en fait elle est là, donc ça c'est trop cool. Et par contre, je vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur ici, donc je vais vous montrer l'intérieur là. Ça sera mieux. Alors, l'intérieur ressemble à quoi? Même, je découvre avec vous, hein, je sais pas. Ok, et à l'intérieur, on a des petits points comme ça, avec des minis. Ok, trop bien. Bah écoutez, il est magnifique celui-là. Bon, bah là, vous allez être sûr que à Halloween, je vais faire des photos à Disneyland Paris avec. Hein. Ça sera mon sac d'Halloween, c'est sûr et certain. On adore. Ok, et le dernier, les gars. Le dernier. Qui est clairement mon préféré. Hein. C'est clairement mon préféré. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce sac? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut juste l'admirer. Bon, je vais quand même parler un peu. Il est magnifique. Hein. Donc, alors, le petit Disney Loungefly, il est juste là.
C'est un sac, comme vous voyez, qui n'est pas un sac à dos comme la plupart de mes sacs. J'en ai un autre comme celui-ci que je vais vous montrer après. Il fait partie du haul, qui est vraiment trop, trop cool. Alors du coup, si vous n'avez pas compris ce que c'était, c'est les différentes tranches de livres de princesses. Hein, donc La Belle et la Bête, La Petite Sirène, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon et Blanche-Neige. Magnifique. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Sur le côté, ça ressemble à ça. Et du coup, vous n'avez pas forcément capté, mais il y a une anse. Hein. Il y a une anse. J'enlève. Il y a une anse, du coup, juste là. Donc, c'est encore sous plastique. Hein. Je l'enlèverai au moment où je me servirai du sac. Mais voilà, une anse comme ceci, qui est vraiment trop cool. Là, c'est en bleu. Waouh, voilà, pas se faire mal à l'épaule. Ça rend trop beau, c'est trop bien. Et en fait, j'aime beaucoup ce genre de sac en ce moment. Bah, mon sac du moment, c'est un sac du même style. Parce que quand on a des tenues un peu classe et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un sac à dos, c'est vrai que ça, notamment en soirée, c'est hyper pratique. Moi, je ne mets que ce genre de sac en ce moment. Je les trouve géniaux. Et les gens adorent, quoi. Parce que voilà, tu te balades en soirée et tout. Et puis les gens, dans tout ce flot de fêtes, voient du Disney et ça illumine leur journée. Voilà. Enfin, leur soirée, en l'occurrence. Hein, parce que bon. Je fais la fête le jour aussi, mais le soir, c'est quand même mieux. Donc, voilà pour les cadeaux de Loungefly. Donc, merci beaucoup, Loungefly, pour ces beaux cadeaux. C'est incroyable. J'adore. Je suis trop, trop fan. Et du coup, on va passer au reste des Funko. J'ai acheté, il y a quelques temps maintenant, des Funko Pop là-haut, hein, qu'il me manquait. Donc, il n'y a pas que celle-là, mais là, je vous montre celle en rapport avec Doug. Donc, il faut savoir que moi, je collectionne toutes les Funko Pop de là-haut qui existent. Le but, c'est que je les achète toutes. Donc bah, c'est compliqué parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Mais normalement je dis bien, je les ai toutes. Donc ça c'est cool. Alors celle-ci je l'avais déjà mais pas en version floquée. Et si vous voyez de plus près, vous pouvez voir qu'elle est en version floquée. Floquée c'est genre tout doux quoi, voyez. Donc là c'est Doug, enfin c'est un alien déguisé en Doug de là-haut. On adore. Et la deuxième elle est par rapport à la série Disney Plus, à la série Disney Plus qui est sortie sur Disney Plus. Je dis des bêtises, hein. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, ils ont sorti toute une série de pop que je vous ai déjà présenté en reel sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Si ce n'est pas déjà le cas, je raconte beaucoup plus ma vie. Je vous montre tout ce que je fais, ce que je mange, ce que je bois. Peut-être pas ce que je bois, mais en tout cas ce que je mange. Et voilà, et donc du coup je vous avais fait un reel où je vous avais montré toutes les Funko de cette collection de cette série Disney Plus de là-haut, mais il me manquait celle-ci. Et en fait c'est en faisant la vidéo, il y a Petit Quick qui me dit, mais meuf, il manque celle-là. Et je fais, mais je savais même pas qu'elle existait, et du coup je l'ai commandée. Et la voici, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est sur plateforme et tout. Doug avec tous les petits chiens, je sais plus dans quel épisode, je crois que c'est l'épisode 3, quelque chose comme ça, avec tous les petits chiots, elle est géniale, je l'adore, en dessous ça ressemble à ça. Voilà, donc hyper hyper fan de cette petite Funko, on adore. On continue avec les pop de là-haut, hein, voilà, on reste dans le thème, hein. Je pense que vous avez vraiment compris que j'aimais bien là-haut, c'est une obsession les amis, c'est vraiment une obsession. Et du coup j'ai commandé celle-ci, alors celle-ci je l'avais pas vu passer. Je l'avais pas vu passer, j'étais en panique parce que j'avais complètement zappé sa sortie. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'elle était sortie il y a pas mal de temps, j'ai commencé à m'inquiéter et je l'ai trouvée sur un site pas trop cher encore, à 40-45 euros. Donc j'étais quand même contente. Donc c'est Carly et Ellie au moment de leur mariage. Ils adorent hein, Funko nous sortir des pop de tous les moments de la vie de Carly et Ellie. Là c'est leur kiff. Ils ont sorti Carly et Ellie ado, Carly et Ellie enfant. Là c'est Carly et Ellie du coup jeune mariée. Donc hyper hyper cool. Bah, j'allais dire pas énormément de détails, mais qu'est-ce que vous voulez mettre comme détails? Je ne suis pas super. Je vois pas quoi. Je vois pas trop. La petite traîne de Ellie est un peu transparente, c'est plutôt joli. J'aime bien. Après, on reconnaît pas Ellie plus que ça, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Peu importe. Ah, je l'avais pas vu. En fait, je les avais pas mis l'un à côté de l'autre. Mais en fait, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, ils se tiennent la main, regarde. Ils s'emboîtent parfaitement. C'est trop mignon, c'est trop mignon. On adore, je suis très fan. Donc, voilà pour la première pop. Donc le pack de deux quoi, et la deuxième qui est plus grosse, plus incroyable, plus stylée et qui est une spéciale édition chers amis, c'est Carl et Ellie avec je veux dire la machine à ballon, mais
Je vois pas trop comment parler de ça. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi comme c'est hyper stylé. Donc, on a la plateforme. Une plateforme basique. Hein, voilà, ils sont vraiment sur la terre ferme, finalement. Et du coup, Carl et Ellie. Donc, voilà, là, Ellie, je trouve qu'on la reconnaît un peu plus. De toute façon, elle a l'outfit qui est pas mal. Avec beaucoup de détails, hein, vraiment beaucoup de détails. Le petit oiseau sur elle, ses vêtements et tout. Magnifique. Et Carl, hyper BG à l'époque, on adore avec ses grosses lunettes. Trop, trop, trop stylé. Et la machine. Enfin, la machine. Je sais même pas comment ça s'appelle. Un truc à ballon, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Et hyper stylé. Hyper stylé, plein de détails. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de mettre ça, je sais pas où, dans mon appartement. Là où je trouverai de la place. Déjà, là, je ne trouve plus de place pour stocker toutes les pop que je dois vous montrer. Mais franchement, c'est l'une de mes pop préférées, celle-là. Elle est magnifique. On continue avec mon sac du moment, qui est juste incroyable, on va pas se mentir. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas, en fait, ça. Parce que je l'ai eu il y a pas mal de temps, et puis je l'ai mis dans ma vitrine, quoi. Enfin, dans mon meuble noir. Et c'est vrai que je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Je pense que oui, je vous l'ai peut-être montré. Mais en fait, je voulais vous en reparler parce que je le mets tous les jours, quoi. C'est mon sac que j'utilise pour sortir. Alors, vous voyez, le même truc que l'autre sac que Lunchfly m'avait offert, avec la bandoulière et tout, qui est très, très cool. Et j'adore, pour sortir, c'est hyper pratique. Et puis, il est hyper beau gosse, quoi. Je suis trop fan. Et attention, quand on l'ouvre, les gars, ta-da-da-da, c'est pas trop beau? Attendez, je le mets à l'endroit. Voilà. Et du coup, il y a la petite phrase que Ellie a écrit à Carl. Trop bien, quoi. Je l'adore. Il est magnifique. Et derrière, on a Pixar Lunchfly. Au lieu de Disney, hein, parce que bah voilà, du coup, ils mettent en fonction de si c'est Disney, Pixar, Star Wars ou quoi au caisse. Mais je l'adore, je suis trop trop fan. Voilà. J'ai fait beaucoup de bruit. Je voulais vous le remontrer quand même, même si vous l'avez peut-être probablement déjà vu, mais c'est mon sac coup de cœur du moment. Une autre pop que j'ai achetée, comme ça, voilà. J'avais envie d'acheter cette pop. En fait, de base, j'ai acheté une pop, la pop de Doug, justement, avec les chiens, sur le site de Funko Europe, je crois. Et du coup, je me suis dit que j'allais pas acheter que ça, parce qu'il y avait la livraison gratuite, je sais plus. Et je me suis dit que j'allais acheter d'autres pop, et j'ai vu celle-ci. Donc celle de Randall, de l'alien déguisé en Randall, du coup. Et j'ai trouvé ça cool parce que, voilà, c'est Randall quand il est rose comme ça avec des petits cœurs. Et j'ai trouvé ça hyper original, voilà, encore une fois, une scène du film, quoi. Bon, bah, enfin, scène du film. Il n'y a pas de scène du film où il y a l'alien déguisé en Randall, hein, mais vous avez compris, où il y a Randall avec, avec les petits cœurs comme ça. Je l'ai trouvé vraiment très chouette, très original. Et comme je collectionne les pop de l'alien déguisé, je me suis dit qu'elle va s'ajouter à ma collection. Je vais la mettre... Je sais déjà où je vais la mettre dans mon étagère. Donc, voilà. Alors, celle-là, les gars, c'est une pépite. Il s'agit de la Funko Pop du château de Cendrillon avec Mickey. J'ai déjà une autre pop avec l'autre château, donc le château de Walt Disney World. Et là, du coup, de Walt Disney World. L'autre, du coup, de Disneyland Resort. Et là, c'est celui de Walt Disney World pour les 50 ans. Une incroyable Funko Pop, on va pas se mentir, elle est magnifique. On va déboxer tout ça. Vous avez vu ça? Incroyable, hein? Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Les détails sont ouf. Je suis hyper fan. Hyper hyper fan de ce château. Vraiment magnifique. Je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure. Ah oui. Je vous le montre à l'envers. Mais et il avait plus de gueule à l'envers qu'à l'endroit, je trouve. Mais il est vraiment très beau. Il est vraiment très, très, très beau, ce petit château. Et du coup, il y a la Funko de Mickey. Voilà, qui est avec son outfit du 50e anniversaire de Walt Disney World. Qui match parfaitement, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça va aller au-dessus de ma télé, je pense. Avec l'autre château, avec Walt, qui est magnifique. Une pop de Walt, les gars. Ça, c'est... Quand j'ai vu que ça sortait, j'ai fait « Ok, je dépense tous, prenez mon argent, je dépense tout ce que je veux, tout ce que vous voulez. » Mais il me fallait cette pop de Walt avec le château. Et donc, du coup... Il fallait le château de Walt Disney World. Vivement qu'ils sortent le château de Disneyland Paris, de Hong Kong Disneyland et de Tokyo Disneyland en Funko. Ça fera une collection Funko de château juste exceptionnelle. J'ai hâte. Dernier Lunchfly que je vais vous montrer de cette vidéo. Il s'agit du Lunchfly de là-haut. Hein. Vous avez compris, hein, à force. Hein. Avec Carl et Ellie, donc là, ils sont jeunes. Ils sont jeunes encore, relativement. Mais voilà, ils ont leur premier métier et tout, trop mimes. Ils sont trop beaux, je les adore. J'aime beaucoup la représentation un peu en mode mignon de Carl et Ellie. Je trouve ça super beau. Le ballon, il n'y en a pas qu'un. L'énorme ballon
qui sort comme ça un petit peu. Je trouve ça hyper beau, ça rend hyper bien. Et voilà, j'aime beaucoup la petite poche devant, on adore. J'ai même pas regardé comment c'était à l'intérieur, je vous avoue. Ah oui, non, ça va être un peu compliqué. Comment c'est à l'intérieur? Oh, c'est très mignon, regardez. Attends, vous allez galérer. Voilà, il y a plein de petits ballons, c'est rose et tout. C'est très, 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 très mignon. J'adore. Je crois, je suis pas sûre que ce Loungefly est sorti en même temps que ça. Hein. Vous avez compris, c'est la même scène. Voilà. Donc, écoutez, hein. J'ai tout. Hein. Maintenant, j'ai tout. C'est bon, je suis parée. Je sais pas s'il y a encore des scènes de là-haut qu'ils n'ont pas fait en Loungefly ou en Funko Pop, mais si c'est pas le cas, ça va pas tarder à sortir. La dernière pop avant l'unboxing surprise, les amis. Incroyable, trop cool. Eh ben, ça aussi, c'est du Walt Disney World 50. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le concept. Il s'agit de Mickey. Je suis en galère, hein, vous voyez. Il s'agit de Mickey, du coup, qui est dans Space Mountain. Regardez ça. Ça a de la gueule, hein. J'adore. Je suis hyper fan, donc il a carrément un casque de cosmonaute et tout. Et donc voilà, ils ont fait plusieurs Funko comme ça. Il y a aussi, je sais plus qui, je crois que c'est Capitaine Crochet qui est dans Dumbo. Peut-être pas. Non, pas du tout. Capitaine Crochet, il est dans Peter Pan, enfin dans son attraction du coup. Et il y a un autre truc, je crois, il y a Mickey qui est dans Dumbo ou Pluto, enfin je sais plus, je rappelle plus des autres. Mais en tout cas, moi j'ai réussi à choper celle-ci qui est vraiment hyper stylée, hein. Petit Mickey là dans Space Mountain, j'adore, voilà, faire un mélange des persos Disney comme ça et des attractions chez Funko, je trouve que c'est une excellente idée et qu'ils devraient plus faire ça. J'aimerais beaucoup avoir le Capitaine Crochet là dans Peter Pan Flight, je trouve vraiment magnifique. Bon les gars, je vous explique du coup l'unboxing final pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai acheté ceci. Très cher, hein, très cher, parce qu'en plus, ils me les ont même pas envoyés en même temps, et je me suis pris des frais de douane sur chaque canette, voilà. C'est-à-dire que la canette en elle-même doit coûter 15€, mais je me suis pris 25€ de frais de port à chaque fois. Donc, voilà, les deux canettes m'ont presque coûté 100€ à deux, hein, un peu moins quand même, mais vous avez compris, parce que je les ai prises sur Pop Culture, donc il y a un site australien. Bah alors les douanes, tu te tapes des trucs incroyables, mais je les ai trouvés que sur ce site-là, donc écoutez, je me suis dit why not. J'ai trouvé le concept génial, bah déjà c'est du là-haut et je dois acheter tout ce qui existe de là-haut sur Terre, donc j'étais obligée de les prendre. Et en fait, à l'intérieur de ces canettes de soda, qui ne sont pas du tout en fait des canettes de soda, ils nous brainent, il s'agit de figurines, sauf que on a une chance de find la chase, vous voyez là il écrit find the chase, et donc en fait c'est une version alternative qui est plus stylée, plus chère, plus rare, et on doit avoir une chance sur je ne sais pas combien, hein. Ce que je ne savais pas, c'était une édition limitée. Ah ok, ah ouais, même là c'est une édition limitée de 6000 et là c'est une édition limitée de 10000. Bon bah ça va, j'ai payé ça une blinde, mais au moins c'est une édition limitée, ça me donne un peu de baume au cœur. Du coup on ouvre ça ensemble pour voir si on a la chase ou la version normale. Donc voilà, si on a la version normale, on a lui. Et puis si on a la chase, on a un truc plus stylé. Vous voyez, c'est carrément sous plastique et tout. C'est un vrai unboxing, les gars. Je ne rigole pas. Hein. Je n'ai pas menti. C'est une surprise stylée. Le problème, c'est que je ne vais même pas reconnaître si c'est la chase. Je vais faire des copains. Par contre, la figurine est trop belle. Waouh. Voilà. C'est pas la chase, hein, selon moi. C'est vraiment... Il a la même tête, hein, la biche. Alors, on a un petit... Carl Fredrickson. 1 sur 8400. Quoi, 1 sur 8400? 1 sur 8,4? J'ai pas compris. J'ai pas compris, mais c'est beau. C'est très beau, c'est très beau, regardez. Cette incroyable figurine. Attendez, si le focus se fait, c'est mieux, voilà. Magnifique. Bon, il louche un peu, hein, Carlito, hein, mais il est mignon. Il est mignon. Et voilà mon petit... Mon petit badge, donc avec Carl, et puis voilà, il y a écrit 1 sur 8400. C'est-à-dire que j'ai le premier? Genre, ça sera incroyable que j'ai le 1. Moi, j'y crois peu. Hein. Moi, j'y crois peu, mais vous savez quoi? On va voir ça avec l'autre. On va voir ça avec l'autre. Alors, bon, pour moi, j'ai pas la chase, hein, voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, chase, c'est rare. Donc, c'est-à-dire que si je l'avais eu, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Ok, c'est bon. On est bon pour la deuxième canette. Et je vais tout garder, hein. Je vais garder ça. Attendez. Je vais peut-être me spoil si je regarde le petit truc maintenant, donc je ne veux pas regarder. Je vais tout garder, je vais tout exposer, la canette et puis le reste. Alors, mon petit Russell, n'hésite pas à sortir de là, ne sois pas timide. Il est trop mignon. Il est trop cutie, ce petit Russell. Je pense que c'est un Russell
Il a la même tête, hein. Il a la même tête, par contre, son petit drapeau, il est un peu parti en couille. Ok. Bon, bah écoutez, pas de chaise, hein, selon moi. Après, peut-être vous allez me dire dans les commentaires, mais si, t'as vu là. Ouais, il y a vraiment écrit 1 sur 1500 aussi, donc je pense que c'est. Genre, j'en ai une sur 1500, quoi. Enfin, sur 1500, sur 5000, pardon. Donc voilà. Très très mignon, j'aime beaucoup regarder ce petit Russell des familles. Il est hyper hyper cute. J'aime beaucoup. Beaucoup de détails et tout. Enfin, j'aime beaucoup leurs petites têtes là, je les trouve très très mignons. Regarde là, son sac à dos comme il est beau. Attendez, j'arrive pas à focusser. Son sac à dos est très très stylé, bah avec tout son bordel quoi. D'explorateur du monde. Magnifique! Bah écoutez. J'adore, je suis trop fan. La vidéo aura été très longue. Je pensais que ça allait être rapide, mais en fait, bah, j'avais beaucoup de choses à vous montrer, hein. Ça, c'est l'accumulation, hein. N'accumulez pas autant que moi, ne faites pas cette bêtise, faites plus de vidéos. Et comme ça, vous aurez moins de choses. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu. En tout cas, j'ai kiffé vous montrer tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo pour plus de haul Disney. Si je vois que la vidéo marche mieux et plaît plus, j'en ferai beaucoup plus avec grand plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire votre item préféré parmi tous, que ce soit Loungefly ou Pop. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt!